Heureux. Alors, j'ai été voir sur le site, donc ModDB, c'est là où je prends toutes mes custom stories, et en fait, il avait eu gentillesse de mettre la solution. Alors, tac. Parce que c'est vrai que c'était un peu chaud, tac. Merde, attendez, je pense bien plus. Redis-moi le truc, s'il te plaît. Monsieur. Ouais. Ok, ça derrière. Putain. Allez. Ok, ça c'est derrière normalement. Tac. Attendez, hein, parce que là je fais en regardant une vidéo. Ça. Et là-bas c'est devant, ok. Ok. Normalement c'est ça. Oh. Yay. Ok, I can go into the archives located upstairs now. Qu'est-ce qui se passe? S'il vient, je suis dans la merde. Putain. Genre, il est là. C'est quoi ce truc? Ok, te retourne pas. Allez, 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 on enlève la lanterne, elle sert à rien. Non, oh, yes. Ah, oh, l'enculé. Ok, c'est trop prévisible. Fallait faire un de ces rushs. Bah... Oh! C'est quoi ça? Lighter. LOL. Je peux faire brûler des trucs? Bon. C'est les archives, ça? Old archives. Yes! Go! Bon. Ça fait hyper longtemps que j'enregistre, en fait. Mais j'adore. Bon, je crois que je vais bientôt arrêter parce que sinon j'aurai trop de contenu. Alors, if all the torches extinguished, there are enough tinderboxes in the chest. Ça va? Oh, oh my god! Je prends tous. Allez, passe-moi. Voilà. Allez, fais voir combien on a d'huile. Ok, bon, ça va, on a encore ça. Hop. Voilà. Good. On en a plein. Oh putain. The door looks old. A door in the upper part of the archive looks fragile. Ça? Merde, je peux pas. Et si je lance quelque chose? Ah, non. Là, il va falloir trouver un marteau ou quelque chose comme ça. Et sérieux, s'il commence à mettre des screamers, on est dans la merde. Et les trucs là. Ok, et de l'autre côté, je regarde hein, au cas où il me donne de l'huile ou des trucs comme ça, ça me ferait du bien. C'est vrai, les boîtes d'Amadou, moi je les utilise presque jamais, mais je les prends tous. Alors, on va aller de ici. Quoi? Oh putain, ça va être chiant ça. Oh, une note. Alors... ok. Ok, donc, paraît-il qu'il y a un Cédric qui a fait nimpe. Je n'ai aucune confiance en ce lieu. Explosive tar, déjà. C'est bon, il va pas. Mais non, il n'y a pas de la lanterne. Ok. Oh, je me suis balade. Ok, ça a dit quelque chose. C'était hyper vite, j'ai rien compris, mais j'ai suivi ce qu'il a dit. Là, il peut pas me voir normalement.
Tu peux pas me voir. Yay, on a tellement d'huile. Et fais voir ça, c'est quoi? Explosive jar. Contain highly explosive sticky gunpowder and thermix. Ok, donc ça. It's behind those shelves. I should get out of the room. What? Pourquoi ça a bougé comme ça, mec? Ok, je vais me mettre ici. Pourquoi ça a bougé? Oh! Oh, ça l'a enfermé! Ew, that was close. I should be careful. Oh, trop bien! Oh non, sérieux, j'adore son système. Si c'est comme ça à chaque fois, moi j'aime bien, mais par contre, s'il me fait des poursuites chiantes, non, ça va le faire. Alors, explosif jar. Et ça? Ouch. Ok, c'était ça. Allez, on y va. Oh, mais sérieux, cette custom story est trop bien. J'adore. Je savais pas que j'allais tomber amoureux comme ça. Mais voilà. C'est fait. C'est fait. Ah merde, il y a quelque chose en haut. Allez! Ne me dis pas que je peux pas y aller là. Ok, toi, tu viens avec nous. Allez! Oh, tu vas pas me dire que je peux. Ok. Il est celui là, non? Attends, contrôle. Voilà! Et là, il faut que j'aille où? Là? Non! Faut que je fasse quoi? Oh! Il y a un coffre là, je l'avais pas vu. Lockpick. Ok, merci. Allez, on continue. En espérant pas se faire attaquer. Et bah, lol. Tiens! Ah! Laisse-moi entrer, voilà c'est bon. Hop. LOL. Mais c'est trop bien cette custom story, ça. Hop. Ok, de toute façon y'a rien. Et mais y'a rien en fait. Pourquoi tu m'as amené là? Oh, yay, j'ai des keys. Bon bah je descends j'imagine. Oh, c'est moi qui l'ai fait tomber comme toi. Allez, on y va. Voir l'huile, ça va. Bon, on a des clés, j'imagine que c'est pour la suite là-bas. Enfin, j'ai pas été en fait ici. Je vais y aller. Hop. Pour l'instant, je gère en fait là. Hein. Jamais. Oh. C'est. Wow. Ok, c'est peut-être son père en fait qui nous poursuit. Oh putain. Sérieux? Attends. Can it be that Cedric and I trapped ourselves in a room like this? So I must find it. We have to get out. Ok.
Bon, je vais arrêter ici. En gros, je viens de comprendre l'histoire. En gros, c'est les insomniaques, ça met qui peuvent créer un, je sais pas, un realm. Bref, un univers parallèle et dans lequel ils sont piégés. Et en gros, là, il veut trouver Cédric pour bah, se barrer avec lui. Mais franchement, bon, je vais arrêter ici. Par contre, cette custom story, j'ai vraiment du plaisir à y jouer parce que bah, les énigmes en plus, on dirait qu'elles sont faites pour moi parce que j'ai trouvé à chaque fois les trucs. Et j'adore. En plus, c'était marrant là avec l'autre quand il est passé au-dessus et tout ça, c'était vraiment stylé. Bref, donc bah, je vous dis à la prochaine fois parce que là, ça fait quand même pas mal de temps que j'enregistre. Donc, bah, allez, à dans le prochain épisode, salut! Ok, alors là je filme parce que j'ai l'épisode 3, si je... L'épisode 3 de Brutal Chains, si je sors... Merde. Donc je disais, je filme parce que s'il sort tout de suite l'épisode 3 de... Enfin, si je le monte, il n'y a que 10 minutes d'enregistrement, donc j'aurai encore faire 10 minutes. Ça fera à peu près 20 minutes. Ok, donc on est parti pour la suite. Pas beaucoup, hein. En gros, là je me fais une toute petite mini session. C'est juste parce qu'il me faut encore un tout petit peu plus de contenu. Et puis comme ça j'aurai une vidéo d'avance, ce sera cool, c'est quoi. Alors donc ici j'avais eu des notes. What the fuck, ok. Alors je vais faire l'ancien. Y'a pas des trucs dans les vêtements non. Au cas où, je sais pas. Hop, nah. Ok, il y a que des vêtements, sérieux. Oula, le bruit derrière, ça me plaît pas ça. Bon, on continue, donc on a une clé, genre... Ouch! Ouvre-toi! Ok, bah c'est refermé carrément. On a une clé. Stack Says Control Room. C'est pas la clé du début. Bon, on va quand même y aller. Merde. Sealed by an electronic lock. Can I open it somehow? Ah bah tiens. C'est pas ça? Ah merde. Bon tant pis. On continue, on continue. Et ça, c'est ouvert. Alors fais voir est-ce qu'on en est avec l'huile. Ok, il va falloir bientôt retrouver. Ah, ça le contrôle romain. Voilà, merci. Beaucoup. Oh, une machine à soda. Ah non mais sérieux. Le gars, ça se voit qu'il a bien bossé quoi. Y a pas de trucs à prendre. Oh, c'est stylé. On ne donne pas de l'huile. De l'huile. De l'huile. De l'huile. Ok, il n'y a pas d'huile. Nothing happens. Peut-être qu'il faut que je fasse ça, non? Wow. Oh. That did the job. I can access the door now. Ok, bah. J'ai remis le courant. Allez, on y va. Oh putain, j'ai pas intérêt à tomber là. Hop, allez. Attends. Comment je fais? Oh non, t'es pas sérieux. Ok. Ok, je suis mort. Je suis mort. Est-ce qu'il peut venir ici? Mais... Faudrait que j'essaye une fois de faire avec une webcam, je sais pas. Ouais, mais je sais pas si je voudrais me montrer. De toute façon, j'ai pas de webcam, donc... Ah, merde. C'est pas ma porte qu'il est en train de défoncer, là? The thing just fell down the pit. Good. Oh yeah! Il est tombé cet enculé. Ah yes. Ah sérieux, ils sont sympas. Ils sont sympas. Allez, normalement on peut. Voilà. Mais putain, les portes. Oula. Ok, je vais regarder s'il n'y a pas des trucs sur les côtés au cas où. Non. Bon. I can't take it anymore, I can sleep.
Ah. Ok, donc à mon avis c'est suicidé. Backdoor. Ok, là on va pas. Éteint. Backdoor. Ouais. These creatures, what was that? I'm leaving now. Oh putain. Oh. Je suis en train de décéder. Oh putain. Je cherche le jeu d'horreur qui fait des screamers comme ça. Je crois que c'est Jew and the Grudge. Ça, ouais. Yay! Bon, ça va, je vais plutôt vite, hein. Ok, je vais bientôt arrêter. À 32, il est 27. Encore 5 minutes. Oh! Stylé, je suis dehors. Eh. Hey. I finally made it out. I made a follow the path in front of me. Ok. Normal, quoi. C'est lui qui est dead. Je vais voir, ouais. Ouais. Bon bah il est mort donc je sais pas comment je fais. Wow. Elle est là. Non, apparemment non. Salut. What the? Was all that just a nightmare? Bah j'espère. J'ai plus de menu. Oh, au début j'aimais bien l'ambiance qu'il y avait ici là. Salut! C'est la fin ou quoi? Aïe, carré, la maison, tu vois. Ça va. Oh merde, c'est terminé! Oh chier! Bon. Oh non! Oh. Bon, j'ai été vite au moins à la terminer. Phew. Bon. Bah, c'était une bonne custom story, putain, je savais pas que j'allais la finir en 3 épisodes. Bah, bravo, hein, parce que franchement, elle est stylée. Oh, la musique stylée. Ah, c'est trop bien. Et ça prouve qu'il y en a qui savent faire des merveilles quand même sur Amnesia. Ah, musique. Penumbra, White Knight. Might and Magic, je crois que c'est ça. Might and Magic. Non, c'est pas Might and Magic, je sais pas. On s'en fout, pire. Beta tester. Je laisse le générique parce que c'est comme ça qu'on fait, hein. Thanks for playing. Please leave a review. Bah, je vais dire qu'il a géré. Ah ouais, until next time.
Bah t'es quoi, toi, je vais regarder quand tu feras des prochaines custom stories parce que j'ai été bluffé. Voilà. Bon, eh ben, il va falloir que je recommence encore une autre. Eh ben, je les enchaîne en ce moment. Écran noir. Fin. Ah, c'était cool. Ouais, c'était cool. J'ai rien d'autre à dire, sérieux. La musique, elle se calme. Fin. Le truc qui tue. Fin. Bref. Il faudrait peut-être que j'arrête là, non? Voilà. Bon. Bah, je vous dis à la prochaine parce que moi, bah, j'ai fait mon petit quota là, j'ai plein de vidéos. Donc, bah, à dans une prochaine custom story, ça fait déjà 3 en 2 semaines que j'en termine. Ça va vite. Bon, bref, allez, salut!